When he wants. C'est ça, chérie. C'est mon amour. Je suis de celle que l'on façonne, celle qui n'a pas voulu exister. Celle qui n'apporte pas de nom, celle qu'on a tenté tant de fois d'effacer. Celle qui s'effacerait toute seule à rentrer dans une case à sa portée. Celle qui changerait bien de rôle tout en ayant honte de se montrer. Je l'ai entendu, ouais. Celle qui parfume toutes ses nuits d'insomnie et de doute à volonté. D'un soupçon d'insouciance pour le soir ne pas déprimer. Celle qui rejette toute sa vie dans sa tête avant d'aller se coucher. Celle qui deviendra ma touche quand c'est de sa vie qu'elle doit parler. Si j'avais quelques secondes pour changer le monde, je me changerais. Si j'aimais quelques secondes cachées dans ce monde, celle que j'ai. Celles qui sont bruyantes, toutes celles pour qui le silence les effraie. Celles aux esprits si pointus qu'une seule erreur pourrait les faire flancher. Celles qui jouent sur la distance pour appuyer leur corps endommagé. Celles qui préfèrent être présentes pour éviter de trouver un plan B. Si je veux quelques secondes pour changer le monde, je m'échangerai. Si jamais quelques secondes cachées dans ce monde, celle que parler ce matin de votre histoire que vous racontez dans un livre qui s'appelle Frôler les murs. Il y aura un témoignage entre justement harcèlement et phobie scolaire. Pour aider les jeunes qui en sont victimes à prendre la parole, montrer que ce n'est pas une honte. À 16 ans, vous avez quitté l'école et vous vous êtes consacré à la musique. Vous voulez casser le silence sur ce mal-être des jeunes aujourd'hui. C'est jeune.